Salut et bonne année tout le monde! Comment ça, je suis en retard? Mieux vaut tard que jamais, non? Oui, je sais que l'année 2018 est terminée depuis plus d'un mois, mais cette chaîne est toute récente, et d'ailleurs, merci d'être autant à m'y suivre. Donc, je me disais, pourquoi pas commencer en faisant une vidéo qui récapitule un peu mes jeux favoris de l'année dernière, placés dans le désordre. Attention quand même, hein, je précise avant, l'année 2018 m'a un peu déçu, surtout par rapport à l'année 2017, mais c'était un petit peu normal, hein. Ça me paraissait impossible, techniquement, de faire aussi excitant que l'année précédente, hein. On avait quand même eu le lancement de la Nintendo Switch, un nouveau Mario, un nouveau Zelda, et puis plein d'autres trucs entre-temps, donc voilà, ça pouvait pas être au niveau dans tous les cas. Ce qui m'a pas empêché de trouver quelques perles quand même. Je précise aussi que ce top n'inclut pas que des jeux sortis en 2018 pour la première fois, mais surtout des jeux en fait que j'ai découverts. Pour commencer relativement doucement, je voudrais vous parler de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Oui, bon, je sais que c'est un jeu de la Wii U, et alors, il est ressorti l'année dernière sur Nintendo Switch en début d'année, et je ne le dirai jamais assez, mais je pense que c'est l'un des meilleurs jeux de plateforme 2D que je connaisse. C'est donc avec plaisir et émerveillement que je l'ai redécouvert. Les nouveautés sont maigres, mais parlons quand même des temps de chargement diminués quasiment de moitié, et ils étaient quand même vraiment longs sur Wii U, ainsi que l'ajout d'un mode Funky Kong qui simplifie grandement le jeu et le rend bien moins frustrant. Bon, à part ça, le jeu reste le même, hein, mais quel jeu! Le retour de David Wise pour les musiques est un coup de maître avec une bande-son originale et entraînante. Genre, écoutez-moi juste de ça quelques secondes. Et c'est sans parler des graphismes enchanteurs et du level design aux petits oignons avec des niveaux qui racontent leur propre histoire. Le challenge est présent, mais au moins quand on réussit un passage vraiment dur, on a la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de ouf. Je refuse de m'étendre plus longuement, mais Donkey Kong Country Tropical Freeze est tout ce que Mario devrait être aujourd'hui. Nintendo, au lieu de faire un New Super Mario Bros sur Switch, pourquoi ne pas confier la licence à Retro Studios? Je sais qu'ils sont sur Metroid Prime 4, mais perso, moi je veux bien attendre. On passe ensuite à Undertale, encore un vieux jeu. Mais je tiens à le mettre dans ce top car je l'ai découvert en 2018 et le jeu est sorti sur Nintendo Switch cette année, malheureusement sans le patch de traduction française. Ce chef-d'œuvre est une lettre d'amour à l'une de mes séries de jeux préférées, les Mother. Vous savez, les jeux Nintendo jamais sortis en France avec Lucas et Ness en personnages principaux. Oui oui, ceux de Super Smash Bros. J'avoue quand même que le jeu a à première vue l'air cheap, mais je rappelle qu'il a été fait par un seul mec sur Game Maker. Rendez-vous compte quand même du travail. Et puis, quoi qu'on en dise, ces graphismes font quand même partie du charme de l'aventure. Undertale est un jeu incroyable qui enchaîne les moments drôles, surprenants, tristes, épiques. C'est une aventure vraiment pleine d'émotions. Les personnages, même les plus anecdotiques, sont tous attachants et les musiques sont vraiment top. J'avoue que j'ai pas encore joué à Deltarune, la suite spirituelle d'Undertale, en quelque sorte, mais d'après ce que j'ai compris, le jeu est encore en alpha et très loin d'être fini, donc je préfère attendre. En plus, avant ça, j'aimerais quand même faire Undertale avec les autres fins. Passons à la suite. Cette année, les fans de la licence Yo-Kai Watch ont été gâtés avec non pas un, mais deux jeux, Yo-Kai Watch Blaster et Yo-Kai Watch 3. Je choisis de ne mettre que Blaster dans mon top, et je parlerai donc pas du second. En vrai, je l'avais déjà fait et fini il y a quelques années en version japonaise, mais en m'arrêtant au boss final et sans toucher au mode de jeu en ligne. Et en fait, c'est là que le jeu prend tout son sens. T'es pas un fan de Yo-Kai Watch? Tu devrais quand même essayer celui-ci. Le jeu est drôle, avec des cinématiques entièrement doublées, un gameplay fun et des combats de boss épiques. C'est une bonne aventure multijoueur, et c'est pour sûr mon jeu préféré de la série. Malheureusement, le jeu n'incite pas à récupérer tous les yokai car la mécanique de capture n'est vraiment pas super. C'est un gros problème depuis le premier jeu de la série car c'est entièrement basé sur la chance, mais je pense qu'elle est encore moins bien faite dans celui-ci. De plus, le jeu a quand même quelques bugs désagréables, ce qui est le début d'une longue histoire de jeu mal fini qui deviendra chronique à la licence. Sérieusement, level 5, j'attends Yo-Kai Watch 4 au tournant, le jeu a déjà été repoussé, alors j'aurais espéré qu'il sera de meilleure qualité. Ah oui, et une dernière chose, si vous avez une 3DS japonaise et que l'envie vous en prenez, n'essayez surtout pas Yo-Kai Watch Blaster 2, il est vraiment nul. Je dois vous dire qu'en 2018, j'ai été vraiment marqué par l'Octo Expression de Splatoon 2. C'est pas vraiment un jeu, mais presque. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'avais accueilli Splatoon sur Wii U avec plaisir. Nintendo ne lance pas souvent de nouvelles licences et c'était une vraie réussite. Je suis pas un gros fan des jeux en ligne et encore moins de l'aspect compétitif, mais j'ai encore des souvenirs de parties vraiment drôles avec des amis. D'ailleurs, coucou Raté Sentiture. Mais Splatoon 2 sur Nintendo Switch n'était pour moi pas au niveau. De mon point de vue, le jeu n'apportait pas assez de nouveautés et j'avais vraiment l'impression de me retrouver face à une version 1.5. Faut dire que Splatoon avait été un gros succès de la Wii U et Nintendo voulait sûrement relancer l'euphorie à moindre frais sur leur nouvelle console. Et ça se comprend. Par contre, si toi tu kiffes Splatoon 2 et que c'est ton jeu préféré, c'est super cool pour toi, hein, je t'aime toujours, je parle que de mon expérience personnelle et de mes goûts.
Mais enfin bref, c'est pour ça que j'ai pas accueilli l'Octo Expansion avec beaucoup de plaisir au début. Mais j'ai quand même voulu lui laisser sa chance. Et j'ai bien fait, car c'est une nouvelle campagne solo de ouf. Dans les deux premiers jeux, le mode aventure ne sert pas à grand chose d'autre qu'entraîner le joueur au mode en ligne. Mais là, ces nouveaux niveaux regorgent d'idées super cool avec des niveaux géants et une progression vraiment vraiment bien fichue. La difficulté pour arriver au 100% est parfois frustrante, mais quel bonheur quand on y arrive enfin. Sauf le boss secret que je n'ai encore jamais battu après des heures d'essai. Et plus jamais je réessayerai. Mais le gros plus de ce mode, c'est le scénario et l'ambiance globale du DLC. C'est captivant avec un final explosif. J'y ai justement trouvé la profondeur dont la licence avait besoin. Maintenant, quand je visualise l'univers de Splatoon, je peux y créer des histoires. C'est vraiment un pas dans la bonne direction. La suite, car il y en aura forcément une, a intérêt de continuer dans cette voie. Franchement, même si on sent que la Nintendo 3DS tire sur la fin, elle aura été bien servie en 2018. WarioWare Gold est une compilation du meilleur des anciens jeux de la série. Et même si je regrette que Wario ne fasse plus de jeux de plateforme, la formule des WarioWare marche et je l'aime beaucoup. Enchaîner des micro-jeux, c'est toujours super fun, avec tout juste ce qu'il faut de stress pour nous donner envie d'y retourner et faire de meilleurs scores. Mais le gros point fort de cette version, et c'est une nouveauté, ce sont les cinématiques entièrement doublées en français. Et c'est fou, car les voix correspondent exactement aux personnalités que je m'étais imaginé pour les personnages à l'époque sur GBA. C'est super drôle, et c'était vraiment une très très bonne surprise. Par contre, c'est un peu triste de se dire que c'est sûrement la dernière fois qu'un jeu exploite à fond les capacités de la Nintendo DS avec le double écran, le tactile, le gyroscope et le micro. C'est en soi un peu un dernier hommage à cette console qui, quelques années avant la Wii, avait réinventé notre façon de jouer aux jeux vidéo. Nintendo DS, j'ai grandi avec toi et je t'aime. De gros bisous, tu nous manqueras. J'ai pas l'impression que ce jeu ait fait beaucoup de vagues, même si c'était super cool de la part de Nintendo d'en parler dans un Nintendo Direct, mais il a quand même une place dans mon cœur. Celeste est un jeu indépendant sorti sur Nintendo Switch qui me paraissait sans prétention au départ. En apparence, c'est un jeu de plateforme 2D en mode Die and Retry très exigeant. Mais son level design est super riche. Certains passages sont vraiment durs, mais la mort n'est pas trop punitive car on ne réapparaît jamais loin. Il y a une ambiance particulière avec des musiques top et des graphismes en pixel art comme je les aime. Petit plus, ou plutôt gros plus pour l'histoire. Le jeu parle de la dépression, qui est un sujet peu abordé dans le jeu vidéo. C'est vraiment une bonne chose, et même si je ne suis pas directement touché par cette problématique, j'espère que ça a résonné chez certaines personnes. N'abandonnez pas, la vie est belle et il faut essayer d'avancer. Il y aura toujours quelqu'un qui vous aime. D'ailleurs, moi je vous aime. Et j'espère que vous recevez l'amour que j'essaye de vous envoyer parce que vous, vous êtes toujours là pour illuminer ma vie. Une année n'est jamais réussie sans un Mario dans le top. Enfin, de mon point de vue. 11 ans, quand même, après Mario Party 8, ND Cube écoute enfin les fans et abandonne le système de la voiture pour retourner à la formule des 4 joueurs se déplaçant librement sur un plateau. J'avais oublié à quel point ça m'avait manqué. Ce titre propose comme d'habitude 80 mini-jeux. Mais vous vous rendez compte que le premier Mario Party sur Nintendo 64 est sorti en 1999 en Europe? Et genre, 19 ans plus tard, les développeurs ont encore des idées de mini-jeux originaux? Mais comment ils font? En plus, ils se sont débarrassés des mini-jeux de hasard que je déteste au plus haut point. Sérieusement, tout le mode de plateau tourne autour du hasard. Pourquoi rajouter des jeux aléatoires? Ça n'a jamais eu aucun sens! En plus, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que les mini-jeux de ce Super Mario Party sont vraiment bien équilibrés. J'ai l'habitude de jouer aux jeux vidéo depuis mon enfance et pourtant, en jouant un Super Mario Party contre des néophytes, je me fais régulièrement battre. Alors je sais pas si c'est moi qui rouille avec l'âge ou bien si c'est le jeu qui est bien fait, mais franchement c'est pas comme ça sur les jeux précédents où je gagnais haut la main les 3/4 des mini-jeux. Et puis quoi, 20 personnages jouables? Waouh! C'est le plus gros roster de la série, non? Dommage pour Birdo qui est zappé sans explication, alors qu'en plus elle est dans le jeu. Ou encore Todd et Kamek, même si pour le coup c'est plus logique puisqu'ils servent d'hôtes au mini-jeu. Mais bon, moi je trouve ça vraiment cool d'avoir des nouveaux personnages jouables inattendus comme Goomba, Topito, Poupoum Poum. Bon, je sais qu'ils changeraient au gameplay, mais c'est toujours cool d'avoir des personnages comme ça jouables dans un jeu, même s'ils ne reviennent pas dans les suites et sont remplacés par d'autres curiosités. Au moins, ça rend l'opus unique. Petit mauvais point cependant, il y a seulement 4 plateaux. Et c'est dommage parce qu'on en fait rapidement le tour. Et je parle même pas du mode en ligne. Non, vraiment, ND Cube écoute enfin les fans et met un mode en ligne dans son Mario Party. C'est cool, mais sérieux, j'ai rarement vu autant de lag dans un jeu, c'est même plus drôle! Et puis, quand même, maintenant qu'on nous fait payer pour le Nintendo Switch Online, il serait peut-être temps de mettre un mode de jeu de plateau en online. Alors ouais, ça donne des parties longues et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse en faire contre des inconnus sans qu'ils quittent la partie en cours. Mais pourquoi pas rendre ce mode disponible avec ses amis Switch? Avec possibilité, par exemple, de mettre la partie en suspens si l'un des joueurs quitte pour la reprendre plus tard. Ça demande du développement. Mais bon, où part notre argent? Bref, Super Mario Party est un bon retour aux sources, et même si c'est pas parfait, les bases d'une bonne suite sont posées.
Fortnite. Attendez, hein, partez pas. Je sais que je vais m'attirer les foudres de beaucoup de joueurs, car Fortnite a quand même pas une très bonne réputation, mais ce serait vraiment hypocrite de ma part de ne pas le mettre dans le top des jeux qui m'ont marqué cette année. Et d'ailleurs, je le reconnais, au tout début, le jeu m'attirait pas du tout. Je le trouvais nul, et j'hésitais pas à dire que j'y jouerais jamais. Mais à force qu'on m'en parle, et surtout parce que le jeu est sorti sur Nintendo Switch, j'ai décidé de lui laisser une chance, et j'ai tout de suite accroché. J'y ai passé des centaines et des centaines d'heures. Et oui, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année, et de loin. Dans une certaine mesure, les graphismes un peu cartoon me rappellent les jeux Turnsplitter auxquels je jouais avec mes cousins sur PlayStation 2. C'était une série de FPS jouables à plusieurs avec une certaine touche de folie aussi dans l'univers, les personnages et les modes de jeu. D'ailleurs, même si je suis pas du tout joueur compétitif et que je joue pas vraiment pour gagner, et heureusement hein, parce que des top 1 en solo, j'en ai fait qu'un seul sur Fortnite, et ben, j'y ai passé des heures en vocal avec des gens et c'était une expérience super cool. Je pense que le jeu a une mauvaise réputation à cause de sa communauté, et c'est d'ailleurs souvent le cas pour les jeux qui ont un public jeune. Mais le jeu est gratuit, donc essayez-le avant de le juger trop vite. En plus, il est sur quasiment toutes les consoles et même les smartphones, donc vous n'avez pas d'excuses. En passant, petite dédicace à Baby Bloop, Santorod, Blizzard, Kaoi, Amakirb et plein d'autres avec qui j'ai passé un super été à jouer à Fortnite. Merci les potos. On passe au dernier jeu de ma liste, et quel jeu. Vous vous en doutiez hein, mais je pouvais pas ne pas parler de Super Smash Bros Ultimate. C'est juste un énorme wow. Je pourrais même arrêter cette vidéo ici, ne rien dire de plus tellement le jeu parle tout seul. C'est vraiment pour moi LE jeu de l'année, du moins sur Nintendo Switch. Réunir tout le cast de la série pour LE jeu de baston ultime a dû être un travail de titan. D'ailleurs, mes bébés, les Ice Climbers sont de retour, même si je les joue plus, et pour la première fois, le roi Kérool de la série Donkey Kong est jouable. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Il y a d'ailleurs tellement de personnages jouables de tous les horizons que je pense que tout le monde y trouve son compte. Le jeu a été annoncé en mars à la surprise générale, à la toute fin d'un Nintendo Direct. Nintendo a fait monter la tension durant toute l'année, et j'avoue avoir parfois eu le sentiment d'en avoir trop, surtout durant l'E3. Mais bon, en vrai, le problème selon moi, c'était pas d'avoir trop de Smash, mais de pas avoir autre chose de gros durant l'année 2018. Et quand j'ai enfin pu mettre le jeu dans ma console en décembre, j'ai kiffé. Le gros point fort pour moi, c'est le mode solo. Même si à la base c'est un jeu multijoueur, j'ai toujours trouvé que les Super Smash Bros avaient des modes solo super intéressants. Sauf ceux sur 3DS et Wii U. Mais le mode lueur du monde de cet opus est presque parfait. D'ailleurs, pour moi, il est mieux que celui de Brawl, c'est même mon préféré de la série. Et au moment où je vous parle, j'ai quasiment tous les esprits et défis, ce qui me rend quand même un petit peu triste parce que j'ai pas envie d'avoir fini le jeu à 100% si vite. Enfin, de toute façon, les DLC vont bientôt arriver et j'ai hâte de voir les personnages qu'ils vont nous mettre. Je veux Banjo! Et voilà, c'était mon top de jeux de l'année 2018. Et toi, quels jeux t'ont marqué durant cette année? L'année prochaine, dans mon top, il y aura Paper Mario sur Nintendo Switch. Si, si, j'y crois. Merci à tous d'être toujours autant à suivre cette chaîne. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je pense que je le dirai jamais assez. En vrai, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent dans cette vidéo, alors ouais, bon, c'est pas un reportage super travaillé, mais j'avais envie de le faire, puis j'aimerais bien d'ailleurs le faire chaque année, en fin d'année, pour voir un peu un petit bilan de l'année. Donc bref, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des pouces bleus, et à la prochaine les amis.